sorti et 27 février pour arriver 4 mars 2023. Nous pas de information sur ça qui passait journée dimanche 5 mars là. Nous documenté pour pipiti gen 60 moun ki mouri, gen yon cinquantaine moun que bandi allait avec yo. Yo volé, Genève volé plus pas son dizaine motocyclettes, yo met 10 fe nan environ 8. Nous pouvons documenter quantité de cailles qui boulaient, mais la situation est extrêmement grave. Et dans tout ça, et ça arrive au gros problème au niveau Belè, un gang, un ancien évadé prison et quoi de bouquet dans l'année 2021 qui a établi tant dans Belè qui impliqué dans le kidnapping et ça et pendant l'an Belè et gagné Genève et Ali Cap Goumé avec lui pour prendre Belè et lui-même bandit ça le fait avec équipe lui la Goumé pour prendre Solino et qu'on y a pendant la attaquer Solino gagné monde Solino qui victime parce que ça nous doit connaître que c'est Cité Soleil que c'est quoi des bouquets ou bien n'importe zone. Depuis c'est un gang qui a essayé de loger un autre gang pour occuper plus pour gagner plus d'espace. Moun qui victime c'est moun qui pi vulnérable qui est sur c'est ti moun yo, c'est femme yo, c'est grand moun yo avec moun qui gagne difficulté pour déplacer. Donc évader ça est-ce que c'est vous même qui t'a arrivé Kempes là une cap boumé avec équipe avec qui? Oui, là, oui, c'est Kempes et Cap Goumé avec et Genève. Et, malheureusement, j'aimerais dire, la police prend position pour et Genève. Et parce que la police, a, que c'est Kempes qui sont chef gang dans Belè, que c'est Genève et Allié caché, dit qu'il y a bien n'importe ça, il y a gagné pour démanteler les gangs. La police n'a pas le droit à faire couverture pour bandits. Les policiers n'ont pas le droit dans la gang. Mm-hmm. Et la police nationale, la hiérarchie de la police, connaît des policiers qui ont des mauvaises affaires avec gang, plusieurs gangs, mais pas un point. Oui, vous dites malheureusement la police en position pour le bureau de Genève. Dans le cas ça, répété, qui est fait pour être capable de porter une solution durable avoir la population la guide pour balancer les poules par-ci par-là, mon coup de caillou, de mon caillou, etc. Bon, nous avons besoin de femmes et garçons honnêtes qui vous dirigent le pays. Le pays n'a pas de la guerre en main de délinquants. Ce ne sont pas des délinquants qui sont sous pouvoir, qui transforment les têtes et sa population à vivre là, c'est terroriste d'État. Ça veut dire que c'est maigre sous l'État gain au lieu que l'autorité prenne pour mettre au service population pour améliorer conditions population et mais c'est gang qui a renforcé donc nous pas capable vivre à genoux ouais haïtien yo peuple haïtien jour yo décidé renverser situation il a marché sous bandi à sa patte il a marché sous bandi à cravate et à costume et a renversé situation. Donc, il y a des gens qui sont persuadés, c'est même le pouvoir, c'est la force militaire, même l'Aptan international bon. Qui a aidé au combat de Gangyo. Eh bien, oui, réalité, nous avons un jour et jour, les gens population aux abois, les gens pouvoir mettre la population en devant, vous faites accompli, que si vous faites un sondage en un pays, jour et jour, il y a une majorité de monde d'accord avec une force d'intervention. Mais le problème qu'on a eu aujourd'hui, hein, ou bon problème de gouvernance, ou bon problème absence état de droit, ou bon problème impunité, corruption. Si vous n'avez pas agi sur ça, la force d'intervention après le vini, ou capable de question sécurité améliorée, mais ce n'est pas militaire qui pourrait faire vetting dans la police. Ce n'est pas militaire qui pourrait changer la police. Et pas qui pourrait changer la justice. Ce n'est pas vous-même qui pourrait combattre l'impunité. Ce n'est pas vous-même qui pourrait combattre la corruption. Donc nous-mêmes, nous avons obligation pour nous montrer que, et pour nous dire population, le monde qui est responsable, et c'est en réalité, le monde qui est responsable et impunité qu'on a là,
qui alimenter gang yo, c'est pouvoir placer. Mais au niveau RNDDH, nous partageons l'idée, à savoir son force internationale qui a aidé à résoudre le problème. Bon, on va mettre parole dans la bouche. Moi, je dis que le problème que nous avons là, nous avons un problème d'impunité, nous avons un problème de gouvernance, nous avons un problème d'instabilité politique, nous avons un problème de corruption, nous avons un problème de paquet de monde qui transforme les étudiants en délinquants. Qui a et un pouvoir qui a fait alliance avec gang, qui a alimenté gang, moun sa yo pa gen place. Merci. Monsieur Fréquent, la métro, la bouche. Ah bon, dis-moi, la bouche. Je veux pas que la bataille, non? Qui est-ce? Hein? C'est qu'elle est mal comprendre. Monsieur le président, monsieur, vous êtes bien tout ça. Vous êtes bien tout ça. Vous êtes tout ça? Ah oui. Au cabaye. Ok. On compte tout ensemble parce que je vais faire des. Oui, allez. Mais c'est une situation de situation insécurité généralisée qui vient amplifier dans les derniers jours dans la zone centre-ville, Belle Solino. Donc, comment on a suivi cette situation? Non. Je ne sais pas pourquoi l'insécurité est dans la zone Belle Solino qui est liée. Seulement, nous avons une insécurité d'État qui est dans tout le pays. À regarder ce qui a passé dans la Tibonite, c'est pour nous dire, dans la zone métropolitaine, dans l'Ipigal, les gens qui ont scopé, c'est courir à courir, les gens la boule, fait mat, Thomas, c'est courir à courir, les gens qui ont ville d'Elma, etc. Pas qu'on côté courir, je ne veux dire, dans la zone métropolitaine, là, ou en sécurité. Insécurité qu'on a là, c'est une insécurité d'État. C'est autorité dans l'État. PHTK, deuxième version, avec troisième version. Deuxième version, c'est Jovenel Moïse. Troisième version, c'est Ariel Henry. Ils ont décidé depuis 2018 de bailler une gouvernance qui est basée sur banalisation de la vie monde et puis alliance avec gang. Pas d'aucune possibilité pour gang d'être aussi puissant, aussi arrogant comme ça. En d'un pays, si vous n'avez pas de connivence avec l'autorité étatique. Je prends un exemple. Dans la période du carnaval, et pendant 3 jours du carnaval, tout le monde est capable de constater que l'insécurité a diminué considérablement. L'État haïtien a débloqué plus de 100 millions de gouttes pour mettre gang yo et Delma, Chanmas, a dansé avec la police et avec des autres monde dans la population, puis prend plaisir. Et tout le monde était capable de voir Jean, la police garantit sécurité dans la période carnaval là. Tout le monde était voir Jean policier a dansé. Qui donc pouvoir en place là, gain contrôle gang yo, yo gain contrôle bandi yo et les yo vle yo théoriser la population qui te théorise yo, mais les pouvoirs besoin de la faire pas de régler. Et tout le monde capable de constater, depuis l'accord 21 décembre 2022, l'insécurité a une prend une autre dimension. Côté que, nan, commencement à l'année, nous déjà nous entamé 3e mois à l'année. Pour Pipiti, il y a 18 policiers qui assassinaient seulement dans 3 mois, premier mois d'année pour qu'on finit. Et kidnapping, nan, depuis février, nous n'avons pas capable, même by une quantité de monde, un pourcentage de monde qui kidnappé chaque jour. Semaine de passé, il y a des monde qui dit il y a environ 80 personnes qui sont kidnappées. Je ne sais pas les chiffres. Mais c'est ramassé après ramasser les gens. Tout côté. Et où est gang qui occupé plus d'espace? La police n'est pas présente dans l'arrière. Il y a un message, un l'autre qui passe. Parce qu'il n'y a pas oublié, la police nationale là, elle est coiffée par un CSPN, qui est le Conseil supérieur police nationale. Là. Moun qui président CSPN, là, c'est le Premier ministre. Là. Moun ki vice-président, c'est ministre intérieur, et ministre intérieur membre, alors que Dr. Ariel Henry, le président d'Haïti,
le ministre intérieur et puis le premier ministre. Et puis l'autre membre autorité dans l'État qui dans CSPN, là, c'est le ministre justice. Le ministre justice, là, le ministre, qui ça dit encore qui le tue? C'est le qui fait carnaval là. Le ministre qui le tue et puis le ministre justice. Mais tout le monde a eu à l'aise. Ou regarde les cortèges, son paquet et machine qui est dans le cortège. Il n'y a pas d'insécurité ça. Et c'est ça que fait, n'a profité et occasion ça pour nous dire les Parisiens, nous partager douleur et souffrance avec nous. Nous-mêmes qui journalistes avec eux, nous-mêmes qui journalistes qui là, nous pas capables de compter quantité de journalistes, particulièrement en 2022, qui victimes en bas d'insécurité d'État ça. En bas forme gouvernance ça qui basé sur sous banalisation la vie monde et puis alliance et avec gang et nous partager sympathie nous et nous présenter sympathie nous bay population hein, et nous mander population hein, pour assumer responsabilité et autorité yo, pendant qu'il y a vu privilège qu'il y a avec fonction yo yo gain obligation pour yo travail dans intérêt population et ça n'a vu la journée aujourd'hui son plan machiavélique que équipe qui sous pouvoir qui n'a accord 21 septembre qui fait alliance avec et gang et PHTK son plan machiavélique yo c'est créer une situation de terrain en dans pays pour une occupation parce que force militaire l'elvini la garantie impunité pour monde qui a banalisé la vie monde monde qui la corruption monde qui a volé l'argent trésor public là et comme ça yo capable faire élection avec et gang yo l'argent kidnapping l'argent drogue pour capable renouveler tête yo li pas normal pour pendant insécurité a augmenter et puis ou par présence de la police dans la ria. Hiérarchie la police ça ou bien là leadership pour gagner au niveau de l'arrivée sous ça qui a passé en bas la ville là dans zone Belay depuis lundi 27 février 2023 et par contre qui gens ça et matin jeudi qui c'est 6 mars. Mais nous-mêmes dans RNDDH, nous documentons.